Salut tout le monde, c'est Zubudu, on se retrouve sur le premier Zelda de la chaîne. On se retrouve sur Zelda Link's Awakening. Yay! Faut savoir que la licence Zelda, c'est ma licence préférée. Et je vous en ai jamais fait en 5 ans de jeu sur ma chaîne, je ne l'ai jamais fait. Tout simplement parce que c'est pas facile à enregistrer, il fallait un capture HD, etc. Et le voilà, et le début de la chaîne. Enfin, on commence par Link Awakening. Bon, pendant que l'intro rechange, on va juste vite fait, on va actualiser. C'est un truc de fou en fait, c'est phénoménal de vous faire ce jeu. Faut savoir que Link Awakening, je ne l'ai jamais fait. C'est vraiment une grande découverte de ce jeu. Je l'avais pas fait sur Game Boy à l'époque. Donc c'est une grande découverte, et je suis vraiment très heureux de le faire avec vous. Et de commencer par un Zelda sur la chaîne, ça me rend très émotionnel parce que c'est très important pour moi étant donné que c'est ma licence préférée. C'est quelque chose que j'attends avec impatience de vous faire sur la chaîne depuis des années et des années. Et je sens que je vais prendre un bien fou à vous le faire ce jeu. Voilà. J'ai pas mis la cam pour ce let's play parce que je pense que c'est pas nécessaire de mettre la cam. Elle peut-être sur certains moments, peut-être au combat final, il est possible que je mette la cam. Mais d'ici là, voilà, on va jouer sans. Bref, je pense que ça s'entend aussi à ma voix, que je suis vraiment très content. Et ça s'entend également que je suis très malade, je m'en excuse d'avance. En effet, j'ai une toux et c'est un petit peu dérangeant. Donc par moment, peut-être qu'il est possible que le son sera atténué. Voire coupé, même parfois au niveau de ma voix. Pour vous éviter de vous exploser les oreilles, voilà. Alors, ce petit let's play, au passage, je fais passer une petite dédicace, une toute petite minuscule, voilà, qui symbolise pas le let's play en lui-même, mais par rapport à une personne qui m'aide beaucoup, par rapport à YouTube, qui m'a encore aidé tout récemment. C'est ma petite souris, voilà, elle se reconnaîtra si elle passe par ici. Je pense que tu regarderas cette vidéo, donc je te fais un gros 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 bisou et je penserai fort à toi. Et merci à toi, et ne rougis pas non plus parce que je t'ai cité dans la vidéo. Voilà, allez, voilà, bref, allez, continuons sur la nouvelle partie, puis lançons-nous. Et je crois que je fais retour, ouais, tout à fait. J'ai un peu de mal encore avec les touches, je m'en excuse. Alors, c'est parti, mode normal, ou bah normal je pense, hein. Link évidemment, à la base évidemment. Et puis commençons, voilà, on fera le mode héroïque peut-être plus tard, ou alors je le ferai tout seul, je ne sais pas. Ah, il revient à lui, de Marine. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Quoi ? Zelda ? Tu dois être encore par track. Je m'appelle Marine. Tu te trouves sur l'île Cocolint. Suis le chemin vers le sud et tu trouveras la plage où je t'ai trouvé. Mais sois prudent, depuis que tu as échoué ici, des monstres terribles rôdent. Très bien, bonjour. Wow, oula, les commandes, c'est... Ok, il va falloir que je m'y fasse, hein, vraiment aux commandes. J'ai pas l'habitude de jouer à un Zelda semi-3D, si on peut dire ça comme ça. J'ai plus l'habitude à jouer des jeux un peu à Zelda TP, Ocarina of Time, Breath of the Wild ou autre. Voilà, vraiment dans une version vraiment 3D et moins 2D comme ça, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais je pense que ça va être vraiment une expérience et vous imaginez pas à quel point je suis content de faire ce let's play en fait. Je suis vraiment super hype de le faire. Je prends vite fait juste mon téléphone en espérant aussi que ça ne bug pas parce que c'est la première fois que j'enregistre avec la capture. Maintenant on verra en temps et en heure. Je lance juste vite fait le chronomètre. Cet épisode sera un petit peu plus long que d'habitude je pense. Durera dans les équivalents de 20-25 minutes. Faut savoir que le jeu en lui-même, putain, il y a plein de choses à examiner. Le jeu en lui-même, je ne m'arrêterai pas 25 minutes pile en fait. Ça dépendra des moments, etc. Donc attendez-vous à parfois des épisodes beaucoup plus longs et des épisodes beaucoup plus courts, ça dépendra. Bien, examinons un peu tout. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce socle. Il est écrit « Plante Piranha ». Ah oui, une grande particularité du jeu, enfin du jeu déjà à l'époque, hein, c'est que c'est très étrange, mais ce Zelda a la particularité, je sais pas s'il y en a d'autres, mais de mélanger l'univers Nintendo au complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du Zelda, mais il y a également un univers Mario, par exemple, un peu dedans, entre autres les plantes Piranha, on verra par la suite, il y aura des Chomps, etc. En fait, il y a un mélange de plusieurs univers, et je trouve ça vraiment chouette.
Urg, vous pouvez pas soulever ça, c'est trop lourd, seulement vous aviez plus de force. Très bien, bonjour. Oh. Tarquin. Alors Link, t'es réveillé? Je m'appelle Tarquin. Tu te sens mieux? Quoi? Comment je sais ton nom? Bah, c'est gravé sur ce bouclier. D'ailleurs, il est à toi. Je te le rends. Ah, nickel. Vous avez récupéré votre bouclier, maintenant R enfoncé pour le lever et repousser vos ennemis. Ok, nickel. On a tout de suite le bouclier... d'Hyrule, enfin de... pas envie de dire de grosses bêtises, mais... bouclier de légende... Oh, bon, les puristes vont me gueuler dessus parce que voilà, j'ai toujours eu du mal sur tout ce qui est... entre la Master World, entre l'épée de légende, entre ci et ça. Il y a 25 000 dons différents, alors que, bon, en soi, ça n'a pas réel d'importance, on va dire. Oh, tu fais quoi dans ma commode, franchement? Qui t'a appris des manières pareilles? Bah, je sais pas, je découvre. Ça, je peux pas... Ok, bah, sortons. Découvrons le monde extérieur. Chargement assez long. Village des mouettes. Waouh. Waouh. Le jeu est magnifique. Bon, j'ai vu, donc vous avez peut-être vu, certains d'entre vous ont passé, vu passer quelques images sur mon Facebook du premier jeu. Donc j'avais mis en publication comme un gif le premier jeu, la première version quoi, de Link Awakening sur GameCube. Et ouais, c'est vraiment différent, hein. C'est waouh, ça pète et tout, c'est magnifique. Waouh, c'est vraiment magnifique, je crois que je prends la plus fou à jouer là-dessus. Mon dieu, je suis vraiment, ça pète, je vais vraiment pas se mettre. Il y a un effet flou en bas, je pense que oui, je pense que c'est normal quand le jeu, c'est très bizarre, mais je pense que c'est un coup à prendre. Ouais, on va. On peut parler au bonheur. Oui, d'accord. Monsieur, pour sauvegarder, il faut aller dans l'écran des options. Pour y accéder, ouvrez d'abord là en terre avec plus, puis appuyez sur R. Je ne sais pas plus, je suis un gosse. D'accord, allez, essayons. Alors là, on a plusieurs items, ok, on a les rubis en haut à droite, très bien, on a la tunique à gauche, avec le bouclier, ok, tunique verte, ouais, tout à fait. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a plusieurs tuniques? Probablement, sauvegarder, charger. Ok, carte ici, se déplacer, effectuer une action. Lever le bouclier, ok, par contre, c'est tout ce qu'on a. Oh, waouh! Donc ça, c'est la carte. Elle est immense. Elle est immense. Et je trouve ça tellement bien aussi d'avoir un petit coup de... Vous voyez, on voit un petit peu les des zones se délimiter un petit peu, mais sans plus. Waouh, je trouve ça génial. Ah, là-bas. Pas assez grand pour... Enfin, assez fort pour pouvoir soulever les buissons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans l'espèce de truc téléphonique? Un téléphone. Clic, crit, crit, bubu, clic. Pépé le ramolo à l'appareil, je sais tout de cette île. Si tu te perds, passe-moi un coup de fil. À propos, il y a une bibliothèque dans ce village. Peut-être apportera-t-elle une réponse à tes questions. Salut. D'accord. Étrange, mais pourquoi pas. Tu peux le sauver? Oui, je peux le sauver. Allez, boost. Bonjour, mamie. Mamie Youpi. Youpi, j'ai la pêche, et toi? Ça va. Qu'avons-nous là-dedans? Toi, c'est Papi Youpi, c'est ça? Non, Pépé le Ramolo. Ah, mais c'est lui qui nous a téléphoné avant. Comment dire? Téléphone à l'extérieur. Pépé le Ramolo n'a pas l'air d'être un grand codeur. Ok. C'est comme action. Ah, il peut pousser? D'accord. Explorons, examinons. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce socle, il est écrit bloops. D'accord. Là aussi un truc. Quelque chose. Chip. Ok. D'accord, donc on va pouvoir vraiment récolter plusieurs petites personnes, j'ai envie de dire. Enfin, ah, oula, attention. Ça c'est un Shroom, par exemple. Donc voilà, quand je parlais de l'univers Mario qui se mélangeait à l'univers Zelda. Bonjour toi. Waf. Ok. Oh oh oh, mon toutou est si fier de son pelage. Oui. Désolé, ça c'est trop lourd, si seulement vous avez plus de force. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Ah bah un chomp, je suppose.
doux. Oui, donc un chou. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire. Est-ce que vous pensez qu'il me fait des dégâts? Attendez, on va plus bouger. Non. Ok, il me fait pas de dégâts, très bien. Non, ok, il me fait pas de dégâts, très bien. Bonjour. Tom Tom. Les grands disent que comme. Que quand vos cœurs diminuent trop, il faut aller voir une grande fée. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis trop petit. On dirait des mis. Enfin, des mis, des. Personnage d'Animal Crossing un peu. Parce que vous pensez Nana, c'est ça? Non, Tam Tam. Vous pouvez regarder la carte de l'île en appuyant sur moi et vous pouvez y déplacer des balises avec A. Et aussi vous remémorer pardon, mes souvenirs avec X. Après, je sais pas trop, car je suis qu'un gosse. Il y a beaucoup de gosses quand même. Hein. X ne fonctionne pas. Bon, je sais pas. Examinons. Caverne Flagello et Plage Coco. Ok, allons-y. Oula, attention, il y a des ennemis. On va essayer de pas les. Attention, on va essayer de les éviter parce que j'ai pas d'épée. Plage Coco. Attention aux oursins, ne les touchez pas à la main. Les mots qui sont pas compliqués à battre. Aïe! Ah, mais attendez, y a pas une histoire comme quoi on peut les tuer. Aïe! Genre comme ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je peux sauver le petit truc? Non. Ouh, attention. Ouh là là là, attention. Mais ça monte ce machin! C'est quoi ça? C'est rien du tout. Fuyons vite. Je sais pas. Bah, par là ça passe pas, par là ça passe pas. What? J'ai où mon épée du coup? Je sais que mon épée allait. Se trouver quelque part ici. Ok, donc mon épée se trouve pas là du tout. Ah! On a déjà plus qu'un cœur. Oh là là, ça part trop vite. On va essayer de se dépêcher. Là, il y a un trou. Est-ce qu'il y a un truc dans le trou? Ou est-ce que ça me tue? Ça me tue tout simplement, d'accord. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être, je sais pas, un secret, un truc comme ça. Il y a des pommes là-dessus, c'est très joli. On va continuer à se balader en espérant trouver du coup une épée. Parce que je m'attendais à trouver une épée, mais pas du tout. Et si un petit truc que je suis pas allé voir, on va aller voir. Je suis un KK très branché. J'aimerais avoir des accessoires à la mode. D'accord. Ok. Alors, où est-ce que je pourrais avoir une épée, moi? Forêt enchantée, danger, invasion de Moblin. Non. Je veux pas. De Moblin, Moblin, je sais pas, vous prenez ça comme vous voulez. Étant. CJ le coq volant. D'accord. Là, on dirait un shop, on va aller voir. Bon, j'ai 0 rubis, donc on va pas aller loin, mais. Bazar du centre. Un bouclier. Oh, donc on peut perdre notre bouclier. D'accord, ok. 3 cœurs, 10 rubis, ok. Pelle de qualité 20, 200 rubis. Là, y'a rien, y'a rien. Y'a un quart de cœur. Enfin, un fragment de cœur, pardon. Hey. Bonjour. Bienvenue, apporte-moi ce que tu veux acheter. D'accord, mais j'ai toujours pas d'épée. Salut toi. Quand vous sélectionnez réessayer, vous recommencez depuis le dernier endroit où vous avez sauvegardé. Sauf si vous êtes dans un donjon. Là, vous recommencez à l'entrée. Pourquoi? Je n'en sais rien, je suis qu'un mauve. Oui, je sais. Recommencer, comment on fait ça? On peut assigner des objets, ok. On a découvert la plage Coco, du coup, c'est vrai. Là, on a une petite maison, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. La nurserie, on dirait. Papounet. Je suis Papounet, le papa des quadruplés. Plus tard, je me perdrai dans les montagnes. Tu viens m'aider, hein? Oui, bien sûr. Mes quatre plus grands se ressemblent tous. Même moi, je n'arrive pas à les différencier. Au fait, sais-tu où trouver une peluche de Yoshi? J'en ai vu
J'en ai vu une à la salle de jeu, mais elle est trop difficile à avoir. D'accord. On regardera ça en temps et en heure. D'abord, je cherche mon épée. On va peut-être retourner voir Marine, c'est ça? Que elle nous dira où est-ce qu'on a trouvé l'épée. Sur le chemin vers le sud, tu arriveras à la plage où je t'ai trouvé. Sois prudent depuis que tu as échoué. Ici, les monstres terribles brodent. Mais j'y étais à la plage. Mais j'ai trouvé l'endroit où j'ai échoué. Enfin, je crois. Étrange. Bah, écoutez, on va y retourner, du coup. Je crois, hélas, qu'on n'ait pas trop d'autre choix que y aller, en fait. C'est juste très chiant qu'il m'atteigne les cœurs. Je sens que je vais mourir. Hein. C'est des grandes chances. Hein. Mais bon. On va rush. On verra ça. Parce que j'y étais, en fait, à la plage. Je peux pas... Le problème c'est que je suis coincé au bout d'un moment. Peut-être par là. Non. Oh non, je suis bloqué par là. Ah, je peux pas soulever ça. Je mourrai. Ah, je mors. C'était sûr. Mais je suis full coincé parce que j'ai besoin de mon épée. Waouh, allez, premier game over du jeu, c'est très bien. Très très bien. C'est pas grave. Ah, on répare là. On peut les écarter entre eux. Ah, d'accord, ok. Oula, attention, c'est vrai. Ok, ah, mais elle est là, notre épée, du coup. D'accord, très bien. Oh non, pas le Oubli. Non, oh non, trop de souvenirs de Ocarina of Time. Beaucoup trop de souvenirs. Cette épée est donc à toi. Tu comprends mieux pourquoi les monstres s'agitent tant le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve, est arrivé. On dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Je t'y attendrai. Ça va, ces discours sont moins chiants que sur Ocarina of Time. Allez, vas-y, prends l'épée. Nice, cool. Vous avez retrouvé votre épée, c'est la vôtre car votre nom est inscrit dessus. Maintenant, attaquez les ennemis qui se dressent sur votre chemin avec B. Très bien. Oh, nice. Ça fait une chose si je fais ça? Non, du tout. Un crabe. Très bien. Aïe. Ça, c'est pour faire ça. Ok, très bien. Le rubis. Mon premier rubis. Mon premier rubis du jeu. Oula, attention. Cela on va pouvoir le casser du coup. Yes. Oh, attention au singe. Vous voulez me tuer? Bonjour toi, qui es-tu? Bienvenue chez Aligo Banane. Je m'appelle Aligo. Je suis le géant. Mon hobby est de collectionner les boîtes de conserve rares. Mon frère cadet est un artiste. Moi je sais où poursuivre sa carrière. Moi je suis plus terre à terre. J'adore manger. D'accord. Ah, je peux pas. Est-ce que je peux le casser? Non, je peux pas le casser. On va ouvrir ce passage-là aussi. Ah bon, les feuilles réapparaissent, c'est pas grave. Hop. Attention à ce truc-là. Je peux pas. Je peux pas casser ce truc-là. Non, je sais pas. Là, il y a des noix mojo, là. Alors là, il y a des cailloux qu'on va évidemment pas pouvoir... Voilà. Bien évidemment pas pouvoir sauver tout de suite. Ça, on devrait pouvoir, non? Non, vraiment pas. Peut-être qu'il faut le monter. Non. Peut-être aller revenir voir Manon. Tout à fait possible. Oh là 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 là. Non, 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 pas par là. Toi, t'es mort. Et toi, tu fuis, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je fais ça alors que je peux le tuer en fait. Oula. Ça, tu meurs aussi. J'arrête de vouloir les pousser en fait. Est-ce que je peux les tuer? Ruby.
C'est pas le même endroit là, si. Si, tout à fait. C'est le même endroit. Peut-être des trucs, ouais, 5 rubis, nice. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gland de défense, il réduit de moitié les dégâts infligés par les ennemis. Cool! C'est trop bien! C'est trop cool! Aïe! Hop, on casse ça, on casse ça, on casse ça. Ok. Bon, les one shot, c'est génial. Je sais pas qu'est-ce qu'on a par ici. Oh, ok, bon, on a trouvé le premier temple. Très bien. Très, très, très bien. Je pense qu'on va aller revoir Manon, voir s'il y a quelque chose à nous dire, je pense. Oh, il y a un rubis. J'ai failli passer à côté. Il y a 8 rubis. Pas énorme, mais c'est déjà ça. On met 3 pommes ici avant. Pour casser les panneaux. J'ai envie de faire un truc qui est interdit dans les Zelda. Enfin, interdit. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça marche toujours ou pas? Ouais, on peut les tuer. On peut les violenter, ça fait rien dans Zelda. Ah non, ça fait quelque chose. Cours. Oh, je pensais trop que ça allait rien faire. Je me suis dit, oh chouette, c'est un bon jeu. Je suis tout de suite bien kiffé le jeu, tu vois. Je crois que ça va être le premier jeu où je vais me défouler sur les poules. Bah non. Bah non, on va aller là-dedans. Oh, le Yoshi. On peut jouer. Bienvenue dans le vent. 10 rubis la partie. Merde, j'ai pas assez. Bah tant pis. Cool, on peut avoir plein de trucs. Nice. Un genre de machine à pince, la machine à grappin. Génial ça. Est-ce qu'on peut casser les herbes? Ah ouais, mais là je vais passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coquillage, à quoi peut-il bien vous servir? Bah je sais pas. Par contre, moi, en tout cas, je vais tout casser là, parce que... Ah, moi, les rubis, hein. Regardez, je suis déjà à 22 rubis. C'est pas grand-chose, je pense à la fin du jeu, on va être à 100 rubis. Je veux dire, c'est que j'ai que 100 rubis. Mais... Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ok, 25 rubis, on va essayer de... Non, désolé, je voulais pas. Non, lève-toi, tu me déranges. Non, mais aïe, ne me violente pas. Victime. Bon, allez, on va faire une partie. En espérant ne pas avoir besoin de sous, mais bon. Alors, pour déplacer la pince, appuyez sur les boutons. Le reste n'est qu'une question de timing. Allez, va te placer devant les boutons. Bonne chance. Je pense qu'on va essayer de tenter juste d'avoir le Yoshi, déjà, pour commencer. Ou le quart de cœur. On va commencer. Alors, X déplacé à l'avant, A vers la droite. Droite et avant, ok. Oh fuck. Ok, d'accord. Ouais, niveau timing, c'est pas fou, quoi. Vas-y. Bon. Non. Non, c'est aussi frustrant que les machines à grappin dans la vraie vie. Non. C'est horrible. Ah ouais, j'étais trop gourmand, je me suis dit bon je vais tenter ça mais c'est pas marché. Bah oui vas-y, au point de me ruiner, de toute façon c'est comme dans la vraie vie, je me ruine toujours dans ces trucs là. C'est la merde, j'aurais dû avancer un petit peu. Oh, Yoshi passera jamais, il passera jamais. Non, il passera jamais. J'ai plus d'argent. Ah, je suis vraiment trop accro à ces jeux d'argent. C'est horrible. Je suis beaucoup trop. Bah je m'arrête là du coup. Tant pis. Alors j'ai vraiment la voix cassée, je le sens en plus. Je suis...
Je suis vraiment désolé, je sens que j'ai la voix cassée. Je m'en excuse, c'est vraiment pas. Non, c'est ça que je fais. Donnez-moi plus de rubis. J'aurais essayé. Bon, on va continuer un petit peu la mission quand même. En vrai, c'est un énorme endroit pour farmer les rubis ici, genre vraiment. C'est génial. Vous venez ici, et puis c'est bon, vous faites les rubis sans problème. Mais j'ai pas entendu dans ma voix cassée comment elle rend. J'espère que c'est pas catastrophique. J'espère vraiment que c'est pas à mourir de rire. Parce que la dernière fois que j'avais la voix cassée, c'est vraiment catastrophique. Mais bon, allez. De toute façon, je vais de finir, mais il y a 18 en plus. Hop. On va faire ça. Hop, voilà. Allez. Et on va retourner voir Manon. Je confonds avec OOT. Non, je veux pas te frapper la poulet. Je vais juste faire le tour d'ouvre. Paysagiste. Voilà. Et... Oh, on est déjà à 25 minutes. Ils sont plus là. Ah! Ils sont plus là. Mais ils sont où alors? Excusez-moi. Je viens de... Ah, elle est là, Manon. Salut. J'ai retrouvé mon épée. Marine. Pas Manon, Marine, pardon. Bonjour Link. Taquin est parti dans la forêt chercher des champignons. Moi, je préfère chanter. Écoute donc, c'est la balade du poisson rêve. Je pense qu'il va falloir simplement aller dans la forêt, je pense, du coup. C'est assez explicite. Mais avant ça, vu que je suis quelqu'un de très borné... Ça a déjà repoussé, sérieux. Bon, je fais une ellipse, le temps que j'aille finir de couper tout ça. Ok, bon. Un peu plus de 50 rubis, ça devrait le faire. On va quand même avoir quelques trucs. Oui, vas-y, j'ai 50 rubis. Ça devrait marcher, non? Pensez pas? Jamais de la vie. Oh, quoique. Oh. Oh, 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 oh. Yes. Yes. Allez, first try. Enfin, troisième try, mais bon. Tu vois un autre effet? Oui, bien sûr. Alors, on va essayer de chercher le... Ah, le quart de cœur. Ça va être chaud. Enfin, le fragment de cœur. Fragment de cœur. Ah non, ça passera jamais. Est-ce que vous pensez que le fragment de cœur, ça va être du coup 5 fragments pour avoir un cœur en plus? Ça passera pas du tout. Le problème, c'est que j'appuie trop en fait. J'appuie trop sur le bouton avancer. Mais le problème, c'est que vu que j'ai qu'un seul choix, enfin, j'ai qu'un seul bouton, vous voyez. Une fois que j'appuie tout droit, je peux pas réappuyer tout droit. Ah, pas embêtant. Oui, bien sûr. Oui, oui, bah, c'est déjà plus que 10. Hmm. Oh, là, je suis bien là. Oh, là, je suis nickel là. Là, je l'ai sans problème là. Là, je l'ai direct là. Tac. Alors, il y a un rubis violet. Violet, c'est quoi de nouveau? Qu'est-ce que c'était que violet? Je sais plus ce que c'est violet. J'essaie de choper le rouge. C'est là que ça va être délicat. Tourne vite, non! Bon, raté. C'est pas grave. Violet, je sais plus combien de rubis c'est. Parce que vert c'est 1, ensuite bleu c'est 5, rouge c'est 20. Un violet c'est peut-être 50, non? Non, je m'arrête. Allez, donne-moi tout ça. Un Yoshi. C'est Yoshi, on le voit dans tout un tas de jeux ces temps-ci. Un fragment de cœur, c'est un prix très rare. Regardons dans l'inventaire, il faut... Ok, c'est des cartes de cœur. Ok. Très très bien. Eh, mais c'est une peluche de Yoshi. Vous êtes trop fort, monsieur. La chance, ma maman en voulait...
on voulait vraiment une. Là. Ouais, justement, je vais aller lui donner ta maman. Et après, on est dans les 30 minutes, on va s'arrêter là. On s'arrêtera là après. Je dis pas de bêtises, c'était pas du tout là. Pas du tout là, et c'est une zone que je suis jamais allé. Est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Étant. Ah oui, c'est resté là. Bon, on va aller voir ça l'épisode prochain. Nous irons voir ça l'épisode prochain. Toujours pas cassé. Mais... Allons, du coup, la donner à la madame. Qu'elle voulait un Yoshi. Bonjour. Tu offres cette peluche de Yoshi à mon bébé? L'offrir, je suis pas fan, mais vas-y. Oh merci, tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. Vous avez échangé votre peluche Yoshi contre un ruban. Peut-être le troquerez-vous lui aussi par la suite. Ah, pas mal. D'accord, intéressant. Très intéressant. Bien, bah du coup, nous, on va s'arrêter là, du coup, pour ce premier épisode. C'est... Waouh, c'est un truc de fou de jouer à ce jeu. J'ai jamais joué sur GameCube, comme je Game Boy, comme vous l'aviez précédemment. Et là, le jouer sur Switch, en couleur et tout, c'est vraiment magnifique. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup passer du temps dessus. Dans tous les cas, j'espère que c'est réciproque et que vous avez également aimé me suivre sur ce jeu. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à laisser un petit like, à commenter la vidéo. C'était The Luz, on se retrouve très bientôt pour la suite du Let's Play. Allez, ciao tout le monde, et à la prochaine. Allez, bisous. I'm out to fight.